Bonjour à tous. Il est actuellement 7h57 du matin. Nous sommes le 9 juin 2014, lundi 9 juin. Nous avons déjà une pluie forte et déjà à peine une grosse orage. Je viens juste tout juste de me lever là, je suis fatigué. Et donc là, nous démarrons cette vidéo pour la suite de c'est de mon projet sur les orages. Donc je venais d'apercevoir un éclair, mais il n'a pas été filmé. Oula! Ouais, juste une petite trace violette vite fait là. Ouais, une tache vite fait. J'ai remarqué, c'est le tonnerre qui est plus présent. Oh, pas mal. À mon avis, le tonnerre va être grondant, elle va gronder, celui-là. Je pense que j'ai compris en fait, hein, par un tonnerre. Je pense que ça fera moins gronder les tonnerres. Mais quand il y en a pas, à mon avis, ça fait bien taper. Un flash triplé. Bam, bam, bam. Ça fait comme ça. Donc toujours pas d'éclair en vue. En plus, il y avait une vingtaine de minutes, ou je crois une trentaine, vite fait, il y avait du soleil, et là maintenant tout s'est changé en orage. Oh là là, le flash power! Celle-ci, elle était violente. Et le tonnerre qui gronde. Oh! Oh putain! Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est passée juste au-dessus de moi. Elle était juste au-dessus de moi.
Donc à 10 mètres près. Oh putain. Elle était en mode horizontal. Je sais même pas la vague. Attends. Attends. Genre elle a fait comme ça. Crac comme ça. Pof. Comme ça. Voilà. L'alignement de la foudre. Donc, genre comme la bouche souriante. Souriante, mais. Oula. Alors là, celle-là est super. Encore une belle dédicace à tout le groupe de storage Megaman et Dini. Parce que là, en ce moment, là, c'est. Je suis en train de vivre un orage de 2 journées d'affilée qui sont magnifiques. Donc en ce moment là, je capture des belles orages. Mais c'est la première fois que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, ça bouge pas. Ouais, il y a eu une flash à droite. Pas une flash, un flash à droite. Flash à gauche. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais j'ai remarqué que mon écran il est carrément blanc vu la luminosité. Je sais même pas pourquoi. Donc c'est peut-être pour ça que normalement vous ne voyez presque pas. Mais après voilà, hein. Je sais pas si vous allez l'apercevoir aussi. Hein. Celle-là, elle a tapé juste devant le bâtiment du 4000. Non, même juste derrière. Derrière le bâtiment du 4000. Et voire même pas loin de Stein non plus. Mais après. J'ai l'impression qu'il a touché derrière. J'en peux sans tonnerre. Ça va faire 10 minutes, je suis levé là déjà. Dire que je suis levé, hein. Pas le début de la vidéo. Hein. Le début de la vidéo, c'est 9 minutes. 9 minutes 20. Qu'est-ce que c'est que ces rideaux qui me gênent? Je me demande si j'ai rien loupé.
sais pas, mais on dirait que j'ai vu un flash. Je suis pas sûr. Eh ben si. Eh ben si, en plein milieu. C'est bizarre, il y a plus d'impact. Alors, franchement, je dis rien. Même si c'est pas mal, je dis rien pour l'instant. Quand je bouge ma PlayStation Vita, on a l'impression qu'il y a un flash d'un coup. Je baisse, ça devient plus blanc, et quand je monte, ça devient plus foncé. Ça c'est un truc qui m'énerve. Putain, la vidéo. Une petite trace violette ou pas, et ça peut en donner quelques coups. Pour l'instant, toujours rien. Bon, vu qu'il n'y a plus rien, je pense que je vais m'arrêter là. Bon, quand même, on aura fait quelques petits flashs. Il y aura même une ou deux éclairs, je crois, là, pour aujourd'hui. Après, si derrière j'en vois un peu plus, ouais, bah, ça sera bien. Donc, j'ai pas trop envie d'user de stockage de la PlayStation. Donc, voilà. À plus. Nous ne sommes pas dans un jour, nous sommes le mardi 10 juin, parce qu'on a passé minuit. Donc là, il est exactement minuit 3 du matin. Et donc là, il n'y a même pas une minute, on avait une grosse tonnerre qui vient de me casser casser mes oreilles. Oh putain, ça fait peur.
se moquer de lui. Hein. Putain, là, c'est malade.
Super éclair. Alors là, elle est super celle-là. Elle est composée de doublés éclairs. Je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est des infras ou... Ça touche pile au moins au pile dans ma cible. Oh là là, le doublé de malade.
Il y a de la fumée. Dans le niveau là, ça commence à se calmer, on dirait. Même pas. Il y a bien que c'est bon, c'est une nouveauté.
Oh. L'orage qui... Qu'est-ce que... L'éclair qui a touché la promenade, la côté 4000, côté Balzac. Il a touché le quartier Balzac. Putain, c'est quoi ce bruit bizarre? Autant un bruit bizarre, mais ça vient dehors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi. Je reprends dans quelques minutes, à tout de suite. Je fais quelques extraits cette fois-ci. Au moment que le mot s'est arrêté et au moment que le flash devient plus présent. J'ai vu une boule d'éclair. Éclair, tout juste derrière, et qui a à peine touché la Courneuve encore une fois.
Tiens, un éclair qui est passé juste à côté sur la droite. Et il est passé mieux. Niveau tonnerre, ça s'arrête, on dirait un peu. Hein. Donc, c'est le moment de s'arrêter là. Rentre. À plus, tout le monde. Ça devient de plus en plus fort, putain.
été heureuse. Il a eu un éclair. Putain, j'ai mal à la main là. Là, ça a été gros. C'est incroyable.
C'est quoi ce bruit? Excusez-moi, moi au moment que j'allais couper, il y a une bête d'éclair qui est passée. Ça va plaire au groupe Storage Mégamagnétique. Allez, bisous à tous.